Depuis vendredi, le parking du Glacis est en fête pour la 669e édition de la Schuber Foire. Les manèges enchantent petits et grands, qu'ils soient lents ou rapides, qu'ils vous permettent d'atteindre les étoiles ou qu'ils vous fassent garder les pieds sur terre, tous fournissent la dose nécessaire d'adrénaline. La foire la plus importante de la grande région offre aux quelques milliers de visiteurs qui fouleront les pavés du Glacis de profiter des dernières douceurs de l'été. De la balade, la foire offre de nombreuses possibilités de se régaler. Gaufres, saucisses, choucroute ou nouilles sautées égayeront les papilles des fins gourmets. La Schuber Foire semble défier la crise économique. C'est apparemment ce dont les gens ont besoin pour se détendre et oublier leurs soucis. Les premiers jours ont été valables, le dimanche a été un petit peu plus dur, mais bon, la fin de la foire nous dira et on fera l'addition au bout de la foire. Le budget du public a changé par rapport aux autres années, la crise aidante. Mais bon, on essaye de faire du mieux qu'on peut et la foire de Luxembourg reste de toute façon toujours une fête très agréable et très attirante. Je pense pas que je dépenserai plus ou moins d'argent que les autres années. Mon budget n'a pas changé avec la crise. On vient une fois par an généralement à la foire avec la famille, avec les deux enfants et on ne se donne pas vraiment un budget. On dépense ce qu'on a envie, mais c'est généralement pas tellement. Maintenant je travaille et voilà, c'est mon argent donc je fais beaucoup plus attention. La bonne ambiance et l'agitation sur le parking du Glacis continuent ainsi jusqu'au 9 septembre.